What's up guys, on l'autre fois encore, bienvenue sur la chaîne là. Nous connaissons déjà, nous sommes Bright et nous avons une autre vidéo aujourd'hui pour nous parler de Stop Loss Placement. Ça veut dire qui côté pour nous placer Stop Loss. Nous. Bon, premièrement, nous disons que high avec low, c'est ça qui est plus important pour nous placer Stop Loss. L'homme dit plus important, ça veut dire que c'est un doigt qui est plus safe. Okay? Et c'est ça que nous avons appris au début. On va mettre Stop Loss là. Sous tête high là, on va mettre Stop Loss là en bas low là pour achat. Sous tête high là, sous pour vente. Okay? But moi-même, au fil du temps que je vais backtester ma chère, je vais comprendre quelques bagailles. Je vais voir que je vais faire une autre façon. Je vais backtester le moins que le marché plusieurs fois. Et que mentor moi et éducateur moi John Fibonacci nous ka passé regarder page John Fibonacci il était qu'on partager connaissances tout sur YouTube free mais il pas fait ça encore en anglais bien sûr mais kounya li bay en formation payant et que c'est lui même qui éducateur moi c'est mentor moi OK so li vin apprendre un paquet de bagaille et que me vin wè que qui vraiment make sense par exemple si m'a pas non un balin. Bon, avant tout, c'est que ça, là, on manque de data. Ça qui me trace, on manque de data. On va prendre un plus bon exemple dans le marché pour nous. Si que par exemple, je vais mettre un imbalance, je vais mettre un stop loss dans une bougie qui est avant un imbalance. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que là, je vais une bougie ça qui crée un imbalance. Là. Et que là, je vais une bougie ça, après ça, je vais une bougie ça. Ok? Si nous regardons le price, time and price, bougie qui crée avant, c'est que le market n'a pas assez c'est bougie ça. Okay? Donc c'est bougie ça qui est avant un balance. Là. Donc stop loss, il doit placer là exactement dans high bougie qui est avant un balance. Là, on a pas que le pas trop différent par rapport à ça que nous avons appris avant. Okay? Ça fait me dire que là, je manque data. Okay? Là, je manque data parce que si je suis dans le market, là, si je suis dans le market, là, un check on time frame de M15, je pense que je vais une plus bon, plus belle imbalance. So, ok. Je vais chercher pour moi qui côté que le market a réagi dans le imbalance. Si imbalance la respecté, guys, rarement, bon, je ne vais pas dire rarement, mais il n'est pas supposé aller dans la bougie qui est avant. Côté, je vais un exemple là, Seigneur. Pas exemple de tête, mais je pense que je pense que si je fais ça, ok, si je fais ça, je pense que je vais jouer et que je vais expliquer ça, je vais expliquer. Ok, parce que ça que je vais tracer, je vais manquer en confluence. Ok, so this is a perfect system. Ça, c'est un trade que je prends et que je vais dans le chat Telegram. Ok. So, là nous avons un balance bon, qui est vraiment grand, etc., qui est vraiment grand, ok, mais là nous avons un doigt qui entre là-dedans, etc. So, nous avons un grand mouvement ça qui fait là, que nous avons considéré comme un high. Est-ce que moi obligé de mettre des stop loss juste là? Non. Pour qui ça? Parce que nous avons un balance qui est créé là, et que si un balance là a respecté, le market là n'est pas arrivé à un niveau ça. Il n'y a pas même revenu dans le niveau ça. Si il revient dans le niveau ça, c'est sûr que la revenu dans stop loss. Donc moi-même, je préfère mettre un stop loss là, au lieu que je mette là. Parce que à 90%, si la loin zone ça, c'est sûr que je vais avoir un stop loss. Okay? Donc c'est à partir de là que je vais commencer à apprendre placer trade moins dans un imbalance et qui coûte pour mettre stop loss. Parce que genre de mouvement ça, même si trade ça, c'est pas trade qui. Puis belle et que je vous m'explique très ça pour que ça me déprenne là. On va arrêter de faire très ça là et que malgré là tout continue à chuter net. Mais malheureusement, c'est juste pour un petit cal tout petit. Ok? So, juste pour m'expliquer nous que si market là a respecté un balance là, on peut par exemple là nous gagne un balance ça qui là. Ok? Nous gagne un balance ça qui là par exemple. Si on a rentré là-dedans et stop loss ou 4 juste. Ça c'est bougie qui crée un balance là, bougie qui vient avant, c'est ça. Stop loss qui a placé là. OK? On pas obligé mettre stop loss là. Pour qui ça 90% si market là vient là, là tout prend partie ça. OK? So, the same thing, parce que là tout est un balance bon, là c'est liquidité. Mais nous connaît que il y a un paquet de bagaille pour nous mettre en accord. Liquidité qui ça quand balance qui ça bon côté c'est pas juste garder balance bien OK là je focus sur stop loss placement
OK. So so I'm going to balance là. Ou ka, lèm di imbalance, lèm pa pale de imbalance lan, boukol, yon institutional kendo ki yon de imbalance lan, yon mitigation kendo ki yon de imbalance lan, avan ki nou gade video sa, si ki nou pout ko gade video Trinity avan, mou konseye nou al gade l pou nou ka kompren de ki sa map pale, ok? So, map chèche kelke ekzamp anko, guys, map chèche kelke ekzamp anko, ok? So, kounya si n'a pas dans institutional kendo. Institutional kendo a c'est ça que nous ta vle rele pi yo while hein, but I mean c'est toujours pi yo while hein, but non l'autre sens. OK? C'est toujours pi yo while hein, but I mean explication institutional kendo a les plus fair pour moi de plus utiliser institutional kendo. OK? So, tu vas chercher exemple institutional kendo ensemble et que pour nous qui ça fait moi plusieurs c'est juste que m'a chercher setup qui clean like pour me pas obligé d'en réexpliquer l'autre bagarre encore après le parce que si m'a pour expliquer chaque grain bagarre vidéo a duré une heure temps vous comprenez so yeah. Let's see in 5 minutes if we can see fine my part of it. So okay, la no go institutional kendo guys. Go bougie sa ki run out liquidity and then ki mette trader de abou sa market la demaria. C'est lui même qui est institutional kendo. C'est ça que fait toujours dit mon yo dans vidéo m'te fait sur IC kendo. M'pa kap considérer bougie sa comme yon POI. M'dit nous ça plusieurs fois déjà. La bougie sa pa pote volume. Li pa itil bon pa di pa itil tout bougie itil la market la ben capable di que m pa considérer le comme POI pour format pour genre fait là li montrer que tout naturellement c'est pas dans bougie ça qui fait mouvement buy au fait il fait mouvement sell to buy là c'est dans bougie ça et c'est pas pour sans raison que m dit nous c'est pas tout down bougie avant mouvement up qui POI c'est pas tout ob bougie avant drop avant market lan chuter qui ont POI c'est qui ça bougie a fait OK so donc la POI lan institutional kendo c'est gros bougie ça c'est lui même qui run out liquidity ça veut dire mettre tout le monde dehors et puis qui démarre market lan son market lan les a retourner yo retourner sur lui après ça il continue monter OK donc ça sont institutional kendo so, a soit porter dans institutional kendo on prend gen moun qui entre dans entry gen moun qui entre dans 50% OK même j'ai encore ou pas obligé mettre trade ou en position dans juste en banet ou ca juste mettre dans l'eau ça bon là comme c'est lui même qui l'eau encore et bon là il semble avec ça que nous t'ai apprendre déjà là c'est lui même encore qui l'eau but pas trop important OK but normalement t'as supposé mettre dans l'eau exactement l'eau ça si m'a mis ton trace là cap tomber exactement là OK donc sous ta rentre dans 50% bougie ça stable sous tape exactement là OK stable sous tape exactement là so m'a cherché un exemple on pense que exemple besoin c'est dans une décision pour le trade li d'ailleurs si nous suivre channel Telegram on a voit que plus trade indécision que n'importe l'autre bagaille qui existait so parce que la belle si mal dans indécision et que me chercher proposition me chercher proposition et que on pense m'a une belle institutional kendo avec mitigation kendo oh là là look at this OK ça c'est institutional kendo guys ça c'est exactement définition institutional kendo guys bougie ça why because c'est lui même qui fait mouvement buy to sell là. C'est lui même qui fait tout mouvement ça bon là son seul bougie mais même si tu gagne l'autre bullish bougie dans mouvement ça on pas considérer comme POI pas considérer comme POI parce que c'est bougie ça qui porte volume là c'est ça qui est institutional kendo OK donc kounya là moi même si m'tap entrer m'tap just mettre en position là et puis stop loss moi il tape exactement dans high ça OK and then na chercher un pour toi na chercher ça nous pas chercher OK so m'a chercher exemple côté que
institutionnel, bon, le plus souvent, ça me considère comme institutionnel kendo yo, c'est eux même qui créé l'eau là ensemble avec Highland. Mais m'a cherché exemple côté que c'est pas eux même qui t'ai créé soit les mouvements fait après ou du moins c'est pas eux même qui créé. OK? Bon, c'est m'a jeune deux trois exemples indices yo. Let's look at this. Dès qu'après exemple, dès une semaine passée, I'm just, nous connais curieux, I'm just à chercher dans le market là plutôt, ensemble avec nous pour nous capable boire, qui j'ai un cul moins moins jeune, ok. So, bah c'est que, qui t'a montré nous assez mouvement et look at this, nous un mouvement ça guys. Nous un mouvement ça pas gien rien qu'a fait me considérer ça comme POI because mes mouvements qui mettait tout le monde dehors et puis you run market là c'est là you run market là et si n'am garder dans tout trade que moi prends sur channel là n'a pas que toujours un côté qui gon petit quoi noir comme ça ça c'est côté mettre tout le monde dehors et moi même c'est mon m'a tendre yo mettre dehors pour m'entrer OK. So on a metté moun dehors là et yo drop donc si m'a considéré yo institutional kendo c'est bougi ça parce que c'est lui même qui fait mouvement by to sell. OK, so n'a pas que le market là rivé là mitiger etc. Market là vient rivé là dans un paquet de jours donc c'est normal pour de faire tout bagage ça là dedans avant que d'y aller côté pour aller. OK, but pas gain pièce raisonnant mode là qui pral faire me considérer par exemple ça comme POI, ça comme POI, ça comme POI, ça comme POI. Et me pense que c'est ouais un pile monde qui utiliser smart money concept fait. OK, so on a continué chercher l'autre exemple and but me pense que nous capter ça que me voulait dire nous. OK, but nous juste besoin exemple pour que institutional kind de work fait. Mais c'est pas lui même qui crée Highland ou bien c'est pas lui même qui crée l'eau. But la majorité des cas par exemple bougie ça me jeune là en belle institution kendo, but c'est lui même qui t'a créé l'eau. M'a cherché un exemple côté que c'est pas lui même qui crée l'eau et qu'on parle ouais côté que stop loss placement qui m'a parlé ensemble avant là, il pas important. OK, but c'est pour occasion là parce que tout ça me jeune c'est au créer Highland, c'est au créer l'eau là. But I mean parce que nous comprendre ça me dire. Okay. So, they just pas de juste aller graph montrer nous exemple même chose que m'était fait semaine passée hein. And pour ne pas dire c'est comme ça toujours fait, I mean just tout préparer ça me va le montrer et puis connait nous et c'est bad con nous. OK, bon, on prend exemple ça là guys. OK. On dit que m'a rentré sur institutional kendo ça qui là. OK. On fait s'il plaît les et on va même toi utiliser nous. Ah, li gen tan mitigate li, li pa enterese man ko. La, li gen tan mitigate li, li pa enterese man ko. Ok? So, go bouje sa, guys. Se li menm ta considere kom institutional kendo, hein? Run out liquidity, push the market to the upside. But, I mean, li gen tan mitigate li la, li pa tap menm enterese man ko. Menm si li retourne sou li monte, li pa tap just pa enterese man ko. Ok? So, ok. Un exemple là que m'te voulais montrer nous exactement. OK, so là par exemple, bon, songez que c'est juste position à point. OK, là par exemple ou un mouvement qui drop and then ou gain deux bougies ça qu'on a considéré comme institutional candle qui c'est ça ensemble avec ça. OK, so kounya là si on va entrer dans market là, est-ce que ou obligé mettre stop loss sous on est là, est-ce que obligé mettre stop loss on est là? Non, ou pas obligé mettre stop loss on est là parce que 9 fois sur 10 si market là vient là la prend stop loss tout. Donc pas la peine obligé mettre stop loss juste là. On connaît qui on va là quoi même parce qu'en pile fois mettre trade du market là il tout prend stop loss et que il y a aller par contre il vient tout. Mais 9 fois sur 10 market là privé là surtout indice la privé là la tout high la take high ça et puis avant que cela drop il drop. OK, donc just mettre stop loss là, ça c'est moi même, ça c'est avis pam. OK, et puis qu'on y a là moi mettre stop loss moi là et puis market là fait ça la fin, right? Because si institutional kendo ça va respecter, il pas parler des high là,
Because le market pour un hype, c'est que là qu'on liquidité. But si que m'gete market, m'ton market la fin run liquidity, but pas gen raison encore pour le monter. Et c'est même exemple ça que m'gagne dans position que m'te prend ensemble avec AUD USD semaine passée que m'te voué dans chat là guys. J'espère que nous t'es well. Et c'était même exemple ça. Nous parler dans une minute. Si market la gete run liquidity to the upside, ça c'est Asian high. Ok, si le gars take liquidity de upside, avec si le gars prend liquidité qui en l'air, ce qui ça a besoin en l'air encore. Ok, si ça market la fait, run liquidity drop, run liquidity up. Ok, si là bougie ça confirme que market la dit run liquidity. Ben si ma patte est sous, ben me dit que me t'as patte sous institutional candle ça, par exemple, pour ça où j'ai mis stop loss mais là. Si que market là li vinn prend zone ça là, c'est que le pas respecté zone ça, l'a tout monter net. Donc juste met la stop loss là et puis mettre profit moi là. So, na mettez dans commentaire si nous d'accord ensemble avec si nous pas d'accord ensemble avec. Pour mitigation là, c'est presque même bagarre là. Non, pour mitigation là le plus souvent, moi mettez stop loss moi bam tourner dans DX gog là. OK. Bah nous confus. Bon, tourner là, vous montrer nous exemple là. So, DXY là, mitigation là, c'est même bagarre là. Si par exemple, là m'a montré dans mitigation ça. Si m'a montré dans mitigation ça, le plus souvent, je juste mettre ça plus maintenant island net. OK? Pour me capable safe. OK? Mais parfois, vous capable mettre là, dans zone là comme ça. OK? Pour plus safe. Pour plus safe. OK? Mitigation non juste mettre là. Mitigation c'est plus simple entrer et pour stop loss là tout ou pas dans compliqué rien, juste mettre tout tête high là, mettre tout tête low et puis bâton. Mais comment même les market là il vient dans mitigation là, on gros l'autre paquet de bagarre comme garder pour entrer pour me compliquer le monde, pour me compliquer la vie. I'm kidding guys. So, j'espère que vidéo ça a été important pour nous et que nous te remettre, nous juste voulait parler de stop loss placement parce qu'en plus monde toujours poser une question tout qui automatise stop loss là. Côté mettre stop loss là, faut que bon côté vous mettez faut que stop loss quand même, donc on juste voulais montrer nous qui côté mettre stop loss. So guys, on va nous rendez-vous dans l'autre vidéo guys. Bye bye, à la prochaine.